Je viens juste de recevoir ce message. Tu casses les couilles avec ta muscu et ton dame de merde. Arrête YouTube, fils de pute. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est TheBoneCap et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bon les gens, on y est. L'heure est enfin venue. Le moment ultime est enfin là. Vous ne pouvez plus reculer. Vous avez pris la décision de changer, de vous reprendre en main, de commencer là. Muscu. Boom. Et c'est votre premier jour. À peine vous avez passé le seuil de la salle que déjà vous avez pris 3 cm de tour de bras. Vous avancez à l'intérieur de la salle d'un air méfiant. Vous êtes tel un aventurier et la salle, votre terrain inconnu. Et le territoire semble hostile. Attention à un crocodile. Non, c'est bon, c'est un pot d'ouaille en fait. D'un côté de la salle, vous apercevez des machines aux formes étranges. De l'autre, des hommes avec des veines tellement énormes qu'on dirait des lianes. À côté de vous se dressent des haltères tellement massives qu'on les confondrait avec des troncs d'arbres. Et là, à vos pieds, juste ici, là, ici là, une petite qui squatte. Non, je déconne, on est en France, ça n'existe pas, il n'y a que des vieilles sur le tapis ici. Pour résumer, vous ne savez pas du tout par où commencer. Vous êtes perdu. Vous avez comme l'impression de revivre votre première fois avec votre ex. Et d'être là à galérer en n'ayant strictement aucune idée de ce que vous êtes en train de faire. Tu veux que je mette de la musique? Tu veux boire quelque chose? J'ai un shaker de wayo free si tu veux. Manger? Attends, j'ai du riz et du poulet au frigo, bouge pas. Dans cette vidéo les gens, je vais vous montrer un programme full body pour débutants que vous pouvez faire à la salle. Je tiens juste à préciser que ce training est juste un exemple et que bien sûr il en existe un milliard d'autres. Boum ! On commence donc tout de suite avec du développé couché à la barre. À base de 3 séries de 15 répétitions et entre les séries 1 minute 30 de repos. Vous voulez avoir des pecs énormes, des pecs tellement massifs qu'au moindre éternuement vous risquez de détruire, d'exploser toutes les fibres de votre t-shirt. Moi aussi, il me tente de te voir mon cœur, je... Ah, tchoum. Oh putain, fais chier, pas encore, merde. Ne cherchez pas plus loin, vous êtes devant l'exo qu'il vous faut. Pensez à faire 1 à 2 séries d'échauffement avant de commencer l'exercice et ensuite, augmentez les poids. Quand vous commencez, ne cherchez pas à mettre lourd. Apprenez à faire le mouvement proprement. Une fois que vos pieds seront bien... plaqué au sol, que vos lombaires et abdos seront bien contractés, alors à ce moment-là, vous pourrez décrocher la barre. Serrez-la fort. Vous devez ne faire qu'un avec la barre. Elle doit ressentir vos émotions. On enchaîne ensuite avec du tirage poitrine à base de 3 séries de 15 répétitions. Mesdames et messieurs, il est grand temps qu'on s'occupe de votre dos, qu'on vous construise le bouclier que vous méritez. Vous ne savez peut-être pas encore comment faire la traction et ce n'est pas grave. Il y a plus grave dans la vie, il y a... Non, en fait, c'est super grave. L'alternative va donc être de faire du tirage poitrine. Attrapez la barre avec une prise large et descendez la barre sur le haut de vos pecs. Avec cet exercice, vous allez travailler votre largeur du dos. Maintenant, vous n'aurez plus besoin de cric si vous tombez en panne sur l'autoroute. Allongez-vous sous la voiture et vous la soulèverez directement avec votre dos. On passe maintenant au développé halter épaule à base de 3 séries de 15 répétitions. Maintenant les gens, il est temps de vous forger des épaules en 3D, des deltoïdes en acier trempé. Vous adorez le bowling? Oui? Ça tombe bien car à partir de maintenant, vous n'aurez même plus besoin de boules pour jouer. Vous vous jetterez directement sur la piste avec vos épaules. Poussez-vous, j'arrive! Oh. Wouhou, strike! C'est l'un des exos de base pour vos épaules. Avec lui, vous allez solliciter vos 3 faisceaux. Le faisceau intérieur, le faisceau moyen, le faisceau postérieur et le faisceau spatial. Putain, j'en ai marre. Quand vous êtes en haut, ne verrouillez pas vos coudes. Vous devez garder la tension dans vos épaules. Maintenant, il est temps d'atteindre le paroxysme de votre entraînement. Vous l'attendiez tous, impossible de l'oublier. Il est l'heure de s'occuper de vos biceps, de votre muscle roi. Avec du curl bar, attrapez la barre à la largeur de vos épaules. Le dos droit, les épaules vers l'arrière. Contractez vos biceps en remontant la barre et descendez doucement en contrôlant votre mouvement. Ne cherchez pas plus loin. Simple, rapide, efficace, c'est l'exo qu'il vous faut pour des biceps massifs, des biceps saillants, des biceps découpés, des biceps de l'espace. Doté de sa capacité spéciale, il saura vous écouter et répondre à vos attentes. Alors n'hésitez plus, adoptez-le en envoyant Bibi au 7-10-10. Prix d'un appel local depuis un fixe.
On enchaîne maintenant au triceps pouliot. Pour cet exercice, pensez à coller vos coudes contre votre corps. Quand vous aurez la barre en bas, pensez à bien contracter vos triceps en maintenant 2 secondes, puis remontez doucement. Si vous voulez avoir des bras énormes, vous avez intérêt à vous y filer car les triceps représentent 2/3 de votre bras. Et si pas de triceps, pas de bras, et pas de bras, pas de bras. Et ça c'est grave. Et pour finir, on se termine à la presse. Vous vous dirigez vers elle avec détermination et rage. Vous êtes motivé comme si ça faisait 2 semaines que vous n'aviez pas vu votre copine. Bouge pas mon cœur, je vais te démonter, tu vas pas comprendre ce qui va t'arriver. Non, 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 je vous vois venir. Faire du foot le mercredi après-midi ou aller voir papy et mamie à vélo le week-end ne vous dispense pas d'aller faire les jambes. De une, les bosser va vous donner un meilleur équilibre, au développé couché par exemple. Vous serez donc plus stable et vous pourrez soulever plus lourd. Et de deux, on est tous dans la même galère à en chier le jour des jambes. Alors c'est ça les coudes, on se soutient, on avance ensemble, on est équipe, on s'échappe pas. Putain, j'ai plus de voix. En tant que débutant, vous pouvez aller à la salle le lundi, le mercredi et le vendredi par exemple. Ça sert à rien d'y aller tous les jours en pensant que vous allez devenir énorme plus vite. Car si c'était le cas, je vous assure que j'irai même la nuit m'entraîner. Les 5 jours de repos va vraiment être important car c'est à ce moment-là que vous allez réparer les fibres musculaires que vous avez détruites pendant l'entraînement. Et donc faire du muscle et devenir encore plus énorme et sec. Et voilà les gens, pensez à mettre un pouce bleu énorme en bas de la vidéo, à vous abonner. Pensez à me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Bien sûr, vous avez toujours des réductions pour les compléments alimentaires. Les liens sont dans la description. Quand c'est toi la salle, donnez-toi la salle, vous, c'est les meilleurs, boum.